Amis, quand je vous dis que j'ai très 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 peur, je suis en angoisse, je fais caca dans ma culotte, je suis pas bien depuis tout à l'heure, il se passe des trucs de ouf, on me fait de la sorcellerie. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Maeva Ghennam. Vous le savez tous, Maeva a participé à la toute nouvelle saison des Marseillais, les Marseillais à Dubaï, et actuellement elle est de nouveau en couple avec son ex Greg. Hier au soir, une vidéo a littéralement enflammé l'ensemble des réseaux sociaux, et cette vidéo concernait Maeva. En effet, Marc Blatta fait d'énormes révélations sur ses réseaux sociaux, et il a dévoilé une vidéo d'une certaine voyante qui faisait de la sorcellerie envers Maeva. Très rapidement, Maeva a été mise au courant par rapport à cette vidéo, et elle a décidé de s'exprimer sur Snapchat. Elle était littéralement en panique, en larmes, et elle a actuellement très 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 peur. D'après Maeva, c'est une personne très très connue dans le monde de la télé-réalité qui a payé cette voyante pour faire cela. Et ce serait un ami ou une amie de Maeva. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces explications et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Amour, je veux juste vous dire un truc parce que je suis choquée, mais j'en dirai pas plus. Je ne crois plus en l'amitié. Il y a des vrais psychopathes, et des gens en qui tu n'avais aucun soupçon. En fait, c'est les plus dangereux. J'en dirai pas plus. Mais je suis traumatisée. Ce soir, là, il est minuit. Je crois qu'on est le 27 février. Je viens de voir un truc digne des films d'horreur. J'ai peur. J'ai plus les mots. J'ai froid. J'ai le corps qui tremble. J'ai très peur. Il y a des gens très dangereux, très fous dans ce monde. Très fous. En qui tu n'as aucun soupçon. C'est incroyable. De toute façon, ma mère et mon frère, ils m'ont toujours dit, Maeva, te méfie pas des gens qui crient. Te méfie pas des gens nerveux. Méfie-toi des gens, tu vois, gentils. C'est les plus dangereux. Méfie-toi de ça. Je sais pas comment vous expliquer, mais je suis comme ça, j'ai peur. Leicester. Ces gens-là, je suis pas Dieu. Hein. Ils iront en enfer toute leur vie. L'enfer noir, ils vont brûler toute leur vie. Ils auront que du noir dans leur vie. Du noir. J'ai peur. Et je laisse Dieu s'occuper de ça. Parce que je suis très croyante, j'ai très peur de Dieu et j'ai foi en Dieu. J'ai peur. Les amis, quand je vous dis que j'ai très, 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 très peur, je suis en angoisse, je fais caca dans ma culotte, je suis pas bien depuis tout à l'heure. Il se passe des trucs de ouf, on me fait de la sorcellerie, des poupées vaudou. Là, il y a Marc qui m'a tout montré et la vérité, il n'était pas obligé de le faire parce que on a rien à se rendre lui et moi et il m'a dit moi Maeva je peux pas accepter des trucs comme ça, moi mon travail c'est de parler, enfin il sort à chaque fois des scoops mais là c'est trop grave, c'est trop dangereux, c'est de la sorcellerie, c'est trop incroyant et c'est pas normal de faire des trucs comme ça et je suis traumatisée, je suis pas bien, je fais que pleurer, des crises d'angoisse, je suis trop mal.